Our third moderator and the moderator of our French speaking table is Frédéric Trailleur. Frédéric is a project manager at ENAC, Deanate at the APFL at Lausanne. He holds a PhD in science, physics, materials and chemistry, and he is a mentor at InnoSwiss. He conducts also research in the field of digitization of infrastructure and cities and sustainable territories at the APFL. Bonjour à tous. Bienvenue au sein de cette table ronde dans le cadre du sujet sur la collaboration avec l'Open Beam. Donc nous allons travailler sur différentes thématiques dans une ordre d'idée de travailler d'abord sur les moteurs politiques et économiques. Donc comment arriver à intégrer le BIM aussi bien au niveau politique global, pouvoir public, qui aura aussi un impact en fait sur les modèles économiques également pour le côté privé, ce qui nous amènera sur des discussions autour des modèles commerciaux. Nous allons discuter avec différentes institutions autour de comment le BIM peut impacter en fait un retour sur investissement, le lien aussi avec toute la chaîne de valeur des maîtres d'ouvrage, des acteurs aussi de l'architecture, de la construction, mais aussi des services aussi bien énergétiques que dans d'autres domaines. Et enfin, nous terminerons sur le domaine de la technologie et des processus et de voir quel est l'impact en fait sur toute cette chaîne de valeur au niveau du processus du BIM et comment l'intégrer et de discuter aussi sur le retour sur investissement et dans cette notion de digital, comment les outils digitaux peuvent accompagner cette transition numérique en lien avec le BIM, voire les jumeaux numériques. Donc nous allons tout d'abord commencer sur la thématique des moteurs politiques et économiques. Donc on a le plaisir de recevoir autour de la table Laurent Nigler de l'État de Genève, Anna Wimmer de Kebob, Pierre Mitte de Building Smart France et enfin Martin Graff de la Société Suisse des Entrepreneurs. Donc je vais commencer d'abord pour une petite question pour chacun. Chacun votre tour, n'hésitez pas aussi à alimenter aussi la question et ensuite nous ferons un petit tour de table aussi au niveau question beaucoup plus large pour ouvrir aussi la discussion au niveau du public. Tout d'abord, je vais commencer avec Laurent Nigler, donc Laurent Nigler qui est de l'État de Genève. Laurent est vraiment en lien avec toute la notion du territoire et ce Genève numérique. L'État de Genève est vraiment en train de se positionner, se positionne comme un acteur de la transformation induite par le numérique et tous les changements d'usage que cela implique. Et en fait, l'ambition clairement de l'État de Genève aussi, c'est de relever tous ces défis en lien avec le numérique de façon exemplaire, de mettre en place aussi des cas d'école, des cas concrets et de positionner aussi Genève comme une source d'inspiration, on dira, dans cette transition numérique pour tous. Laurent, ma première question concernant le BIM et l'Open BIM, au niveau de la stratégie du Suisse numérique, est-ce que cette stratégie va favoriser l'intégration et le développement de manière beaucoup plus large du BIM au sein de la Suisse? Et n'hésitez pas aussi d'intégrer aussi tous les enjeux et les projets qui sont en cours dans cette notion du Genève numérique et de l'intégration du BIM. Stratégie suisse de la géoinformation, qui après sont déclinées souvent dans des stratégies cantonales, hein, stratégie cantonale sur la politique numérique, par exemple, de l'État de Genève, sont des facteurs engageants et donnent une certaine orientation des autorités et des services d'administration. Et le privé peut voir dans quel sens l'État s'engage dans ces domaines. L'État de Genève s'engage depuis de nombreuses années, comme tu le dis, dans le numérique, et il fait un effort numérique extrêmement engagé depuis plusieurs années, plus d'une vingtaine d'années, notamment sur ce qu'on appelle le territoire numérique et le jumeau numérique. Et l'État cherche à prendre d'autres opportunités, de développer de nouvelles applications en utilisant justement les processus BIM avec les maquettes numériques 3D, parce que la majorité des données du territoire numérique que nous avons actuellement dans nos bases de données sont plutôt une description du territoire. On a bien sûr l'enveloppe des bâtiments numériques, on a aussi l'enveloppe des infrastructures, mais il nous manque beaucoup d'informations qui sont nécessaires à nos politiques publiques qui sont de plus en plus gérées par le processus BIM et des maquettes 3D. Donc, bien entendu, les aspects stratégie sont importants. L'État de Genève
se dotent de plus en plus d'outils numériques, et notamment sur les, elles sont en train de se doter d'une plateforme BIM complète pour pouvoir répondre aux axes qu'elle s'est fixés sur l'engagement sur le BIM à l'état de Genève. On a 4 axes qu'ils ont fixés là-dessus depuis 2017. On veut être, qui sont en lien avec ces missions. Les missions en tant qu'autorité de contrôle, donc c'est tout ce qu'on a au niveau des permis numériques, donc on a une certaine autorité là-dessus, donc on doit recevoir des permis sous forme papier jusqu'à maintenant, dématérialisé sous forme PDF, et on est en train d'ouvrir une voie avec les maquettes BIM. On a un deuxième axe, bien entendu, qui est l'État en tant que gestionnaire de son patrimoine construit, où là aussi, comme les propriétaires privés, on veut utiliser le BIM pour rationaliser notre travail. Et puis le troisième axe est l'État en tant que gestionnaire de son territoire. Je vous en ai rapidement parlé. On veut absolument faire une connexion entre le monde de la construction et le monde du territoire. À terme, ce qui nous intéresse, c'est qu'on ne voit plus la différence entre les deux, que les données se marient facilement. Et puis le dernier axe qui est important pour nous, c'est aussi l'État en tant que service d'information ou de mise à disposition de toutes ces données en élaborant des solutions technologiques qui répondent aux besoins des métiers, des professionnels et de la population. Donc oui, ces stratégies nous engagent à aller dans le sens que tu parlais. Je te laisse la parole. Exprimer le fait de dire que il y a clairement cette notion de patrimoine. Il y a le patrimoine passé, présent et futur. Mais aussi un autre point, c'est que la Suisse est un tout petit pays aussi au niveau européen ou à l'échelle mondiale. Quel est ton point de vue par rapport au patrimoine digital? Et du coup, de vraiment éviter de faire un modèle suisse qui soit, on dirait, entre guillemets, complètement incompatible aussi avec les standards européens. Quelles sont les bonnes pratiques ou quels sont les enjeux que tu vois aussi de ce côté-là d'un point de vue intégration au niveau international? Ben, je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on soit présent avec Bâtir Digital Suisse dans le Building Smart International est un exemple. Hein. On reprend au niveau 6 de plus en plus les normes OCGC et ISO. Donc on a, en tout cas au niveau des administrations, qu'elles soient cantonales ou fédérales, on est très attentif à ne pas créer des spécificités suisses et reprendre un petit peu ce qui se passe au niveau international. Et on s'implique de plus en plus dans des associations internationales pour justement éviter ce que tu dis. Excellent. Merci Laurent. Anna, du coup, Anna qui est collaboratrice au Kebab, donc en traduction française, c'est la conférence de coordination des services de construction et des immeubles de maîtres d'ouvrage. D'ailleurs, le Kebab a publié il y a quelques jours un document ultra intéressant sur l'application de la méthode BIM liée aux prestataires en fait de mandataires généraux dans le secteur du bâtiment. Anna, première question par rapport à Kebab et le rôle que vous jouez. Que faites-vous en fait comme rôle par rapport à qu'est-ce que vous donnez comme préconisation à vos membres et à l'industrie par rapport aux moyens de progresser au niveau des objectifs qui sont donnés par le secteur public? Alors, merci beaucoup pour la parole. J'aimerais bien ajouter à la KPOP, il manquait à la fin le mot public. Nous sommes les maîtres publics. Yes, ouvrage public. Public. Oui, c'est important parce qu'on n'est pas si agile et flexible ou vite qu'on pourrait penser si on était les privés. Alors là, qu'est-ce qu'on fait pour nos membres de la KPOP? C'est, comme tu as déjà mentionné, la semaine passée, la KPOP a publié un document, l'application de la méthode BIM aux prestations de mandataires généraux dans le secteur du bâtiment sur notre page d'accueil. Pour ce document, on s'est limité sur 22 pages qui ne sont pas formulées de manière technique, mais plutôt d'une manière généralement compréhensible pour un public professionnel. En outre, nous nous sommes limités aux prestations ordinaires selon les règlements de la SIA. Et on a décrit 8 cas d'usage de base. On pense que ce seront des cas d'usage de base.
On va choisir deux. Les surfaces et les volumes et le calcul des quantités et des coûts que nous allons poursuivre et nous allons développer pendant l'année en courant. Nous pensons que c'est les bases pour que les informations puissent être commentées et traitées de manière uniforme par tous les adjudicateurs publics à l'avenir. Ça, c'est un peu notre but, de mettre la base avec une compréhension commune, comment on pourrait gérer les données qui nous commenteront avec la méthode du BIM. Merci Anna. Du coup, pour aller un step un petit peu plus loin, c'est vrai qu'aussi le BIM prend vraiment toute une chaîne de valeur autour d'elle. Donc, c'est-à-dire qu'on disait sur les maîtres d'œuvre, sur le côté énergétique, l'économie circulaire, la durabilité. Et si on reprend un niveau un peu plus supérieur par rapport à KBOB, quel est l'objectif global que vous avez par rapport au pouvoir public? Du point de vue des pouvoirs publics, l'objectif primordial est d'accroître la valeur d'utilité de nos parcs immobiliers, de nos portefeuilles. Nous, on a des milliers de bâtiments de construction, soit bâtiments ou bien du génie civil. Et cela comprend également les sujets liés à la durabilité, la gestion des risques, la planification des investissements, la sécurité, les services. Alors, cette valeur d'utilité, c'est vraiment très important pour nous et c'est notre objectif primordial. Dans l'intérêt de tous ces aspects, nous nous engagerons et contribuerons à l'application de la méthode BIM pour relier nos données qu'on a déjà dans tous les systèmes informatiques des autorités publiques. Merci Anna. En tout cas, on voit ce côté holistique et c'est vraiment cette notion d'inspirer la communauté pour pouvoir aussi apprivoiser le BIM en tant qu'outil digital au service de toute cette chaîne de valeur. Et on pourra en discuter aussi dans un second temps sur cette première table ronde. Martin Graff, du coup, de la Société Suisse des Entrepreneurs. Votre rôle aussi est vraiment d'accompagner, en fait, toute cette communauté d'entrepreneurs sur différents sujets, des actions telles que l'économie circulaire aussi, l'impact aussi, entre guillemets, du digital. Moi, la première question que j'ai aussi à vous poser, là, on est en train de parler des ouvrages d'administration publique. Mais en fait, est-ce que le fait d'imposer le BIM uniquement, entre guillemets, sur des ouvrages d'administration publique, est-ce que c'est suffisant pour accélérer finalement cette notion d'appropriation de méthodologie dans le secteur privé, donc celui des entrepreneurs et ceux qui sont dans votre portefeuille, entre guillemets, de partenaires. Et du coup, quels seraient les éléments utiles, selon vous, pour vraiment accélérer ce processus d'intégration du BIM en Suisse, qui sera aussi un point que je vais aborder avec Pierre Mitte, hein, de Building Smart France, en comparatif avec d'autres pays européens. Alors, très bien, merci et bonjour à tout le monde. Et Anna a déjà fait un bon explain devant, alors que finalement dit c'est une base. Alors que je disais, la question c'est clair, non? Ça ne peut pas être seulement la partie État ou la partie autorité qui va être le modèle. Il faut aussi bien dire que côté privé, il y a des avancements qui sont très concrets et même plus avancés. Mais dans notre pays, on vit très souvent, si les grandes donneurs de travail comme fédéral, les cantons, les communes, ils n'utilisent pas. Il y a très beaucoup de gens qui disent « Ok, alors si eux, ils n'ont pas la nécessité, pourquoi moi, je le fais ?» Et là, c'est de gagner d'une fois, c'est de gagner de confiance, de gagner de l'expérience et en même temps d'avoir un modèle qui peut être suivi. Et c'est pour ça qu'on collabore très, très étroit avec KPOB, avec les cantons, pour trouver le même chemin, parce que finalement, notre grand challenge, c'est on a les membres de toute grandeur, les tout grandes
Il ne faut pas faire assez de soins parce qu'ils ont les départements et tout. Mais les tout petits avec quelques collaborateurs, est-ce qu'ils doivent maintenant faire une intégralité BIM ou est-ce qu'ils doivent faire ce changement de culture, digitalisation, mais quand même savoir qu'est-ce que je dois faire et pour faire ça, qu'est-ce que j'ai besoin. Et c'est là-dessus que nous, on est très, très actifs. Alors, c'était d'abord la phase de sensibilité de chacun reconnaît, je ne peux pas aller en avenir sans regarder la digitalisation, mais en même temps, je n'ai pas besoin de faire l'entière digitalisation. Et de retrouver ce chemin-là, c'est le très grand travail qu'on fait chez nous, et en même temps de regarder cette intégration. Alors, comme vous avez déjà donné les autres sujets, comme la duration et les différents autres sujets, si on regarde maintenant ce développement qui a commencé, on peut, dans chaque espace, on peut utiliser la digitalisation comme un outil supplémentaires qui peuvent faciliter la vie. Et c'est là-dessus qu'on va mettre notre message en primordial pour dire, soyez avec nous, suivez le chemin, mais il ne faut pas être toujours avec l'idée, il n'y a que des vainqueurs. Il va aussi y avoir des gens qui vont payer pour ça, et ceux qui ne tiennent pas le chemin, c'est sûrement ceux qui vont être à côté du chemin un jour. Et on essaie que ce n'est pas nos membres qui vont être à côté. C'est excellent, Martin, comme réponse. Et moi, je le retraduis aussi avec mon angle de perception. Pour information, j'étais aussi au board digital d'un grand groupe de constructeurs immobiliers. Le message de BIM était le BIM est vraiment nous impacte sur toute la chaîne de valeur. Mais en fait, c'est par quel bout faut prendre la ficelle pour l'implémenter. C'est-à-dire qu'il y avait toute cette notion de dire il y a un impact à la fois pour les architectes, pour les maîtres d'ouvrage, mais aussi pour les entrepreneurs qui travaillent sur le site de construction, mais également pour la maintenance prédictive et prescriptive. Et du coup, c'est très compliqué de comprendre par quel bout commencer sur la chaîne de valeur. Et puis aussi, il y aura toute cette notion qu'on abordera aussi dans un second temps, mais c'est aussi sur la formation et l'employabilité, l'accompagnement aussi des collaborateurs sur cette chaîne de valeur à l'intégration du BIM comme processus et comme technologie au service d'eux. Et qui amène aussi pas mal de questions sur comment typiquement, puis Saint-Martin, je peux aussi vous poser la question, c'est comment aussi amener ces maîtres d'ouvrage en fait à apprécier cette maquette BIM et non pas seulement un modèle 3D. Et comment arriver à montrer quel est le retour sur investissement du coup d'un passage dans le BIM. Alors là, c'est très très bien dit déjà. Alors, on parle ici d'un outil. Alors, ce n'est pas le nouveau collaborateur qui va faire le travail. C'est un outil qui doit être utilisé par les gens qui sont déjà là. En la chaîne, on a déjà connu que finalement, il y a les gens qui planifient, il y a les gens qui exécutent. Et de notre part, l'exécution, alors le plus facile de montrer l'avantage, c'est si on a la chance de faire des travaux. Et la deuxième ou troisième faute, éviter parce qu'on a déjà vu la difficulté en modèle et pas quand le mur s'est déjà fait. Alors, on va très bien. Alors, on économise d'argent, en même temps, on économise des nerfs parce que c'est toujours très, très difficile d'expliquer aux clients, pardon, on a fait ce mur 2 mètres trop large, on va éliminer maintenant. Aucun client va aimer ça et les nôtres, ils sont frustrés parce que tu as fait du travail pour rien. Et si on a des modèles comme ça, c'est le plus facile d'y entrer. Merci Martin. Du coup, s'ouvrira une des questions que j'avais aussi pour le wrap-up tous ensemble. Du coup, Pierre-Mi, du coup, de Smart Building France. J'ai une question qui fait un petit peu mal. Donc, pour ceux qui sont en Suisse, fermez un peu les oreilles. Mais clairement, pourquoi la Suisse romande est-elle aussi en retard, en fait, autant en retard sur le dépôt de dossiers d'autorisation de construction numérique, comparativement, typiquement à la France, on voit qu'il y a vraiment un niveau de market adoption qui est vraiment décalé. Quelles sont pour vous ces raisons-là, finalement, de ce retard d'intégration, de mise en place, finalement, de ces processus? Ou vulgairement dire, quelles sont les barrières à l'entrée, selon vous, qui limitent, en fait, cette intégration-là? Ah, le micro. Yes. Micro. Ouais, excusez-moi, j'avais pas mis le micro. Mais merci de m'avoir invité à cette table ronde en français parce que sinon j'aurais peut-être eu des problèmes. Alors, je pense qu'en France, on a eu aussi des problèmes à l'allumage. Et les problèmes à l'allumage, on les a eus parce qu'on prenait pas le BIM par le bon bout, on le prenait par l'image.
Et la notion, l'image, en fin de compte, a été quelque chose qui était plus néfaste parce que les vrais gens de la construction, quand ils regardaient alors ce que certains appelaient une Game Boy, hein, le truc qui tourne dans tous les sens, ils disaient, mais moi, quand je vois une vue en plan, quand je vois une coupe, quand je vois une façade, je sais comment fonctionne le bâtiment. J'ai pas besoin de votre truc là. Vraiment, c'était parfois assez dur. Et le revirement, il s'est fait dans les années. C'est pas récent, c'est 2000. Enfin, c'est pas vieux. C'est 2014-2013. Où en fin de compte, on a mis en avant que c'était la donnée qui était intéressante. C'était pas l'image. L'image était que le véhicule pour transporter la donnée. Et là, les gens ont commencé à réfléchir et se dire, bah, cette donnée, elle a une valeur. Elle a une valeur sur le cycle de vie de la construction. Et si on parle de cycle de vie de la construction, ça veut dire qu'on emmène tous les acteurs et on crée une révolution. Au sein du monde de la construction, où on avait plutôt l'habitude de travailler en silo que de travailler sur des problématiques en commun. Et là, vraiment, c'est là qu'il y a eu cet engouement. Parce que d'un côté, alors, nos amis suisses, vous ne suivez pas les directives européennes. Les directives européennes disaient, pour la mise en place du BIM, qu'on n'imposait pas, on disait tant que les outils ne sont pas communément disponibles. Et là, le mot outil prend toute son importance parce qu'aujourd'hui, et comme l'a dit Martin, ce n'est qu'une machine qui doit nous faciliter la vie. Et devant la machine, il y a des gens qui vont l'utiliser, qui doivent faire leur métier. Et ce qui manquait, ben, c'était aussi d'avoir des outils métiers qui permettent de faire la tâche pour laquelle on est payé, pour laquelle on est assuré. Donc, quand on a eu passé toutes ces barrières, on a eu aussi la chance d'avoir des gens qui ont pris le TGV, qui sont partis très vite dans la direction du BIM. Alors, le TGV, c'est bien, ça va vite, mais quand on s'est trompé de direction, il faut aller jusqu'au bout. Bon. Et, par contre, on a eu des gens aussi qui ont pris des TER. Alors, le TER, ben, ça va moins vite, mais si on s'est trompé, on peut descendre et reprendre une autre rame pour repartir dans l'autre sens. Eh bien, on a eu la chance d'avoir des gens qui ont voulu prendre le TGV et qui ont accepté de faire revenir leur retour d'expérience et pour montrer voilà, qu'il y avait des écueils, mais il y avait des choses qui marchaient bien. Il y a vraiment eu une communauté qui s'est mise en place. Et je pense que c'est dû au fait qu'on a de nombreux acteurs et des gros acteurs qui ont accepté de rentrer dans le jeu et d'être support pour qu'en fin de compte, leur retour serve même à leurs concurrents et quelle que soit leur taille. Et ça, je pense, alors je ne sais pas comment chez vous ça s'est passé, mais nous, on a senti qu'au départ, les gens étaient à dire « je vais faire mon BIM », et ils se sont rendus compte que ça ne servait à rien de faire son propre BIM, parce que notamment, je prends nos trois majors, à un moment, bon, ils partaient à dire « on va faire notre truc », et à un moment, ils se sont rendus compte qu'ils avaient les mêmes maîtres d'ouvrage, ils avaient les mêmes bureaux de contrôle, ils avaient les mêmes architectes, ils avaient les mêmes sous-traitants, ils étaient soumis aux mêmes règles. Et donc, en fin de compte, faire un BIM spécifique à son entreprise, ça ne servait à rien. Il valait mieux faire des choses en commun. Après, on a tous nos spécificités, mais c'est vraiment cette démarche qui a primé, cette envie d'avancer tous ensemble. Et notre slogan, c'était le BIM pour tous. Merci Pierre, du coup ça fait totalement du sens. Il nous reste à peu près 5 minutes pour des questions, là je vous laisse répondre de manière conjointe et vous passez le relais. Mais ce que j'entends là, c'est vraiment la notion d'intelligence collective, c'est-à-dire que on retrouve la notion d'open BIM, d'open innovation, etc. On peut parler aussi de Speckle System, hein, qui est développé aussi au niveau européen en tant qu'open source, mais clairement déjà il y a un point, c'est que là je me mets du côté du privé. C'est vrai que le BIM doit vraiment pas être présenté en fait au client ou au mandataire sous une forme de dépenses complémentaires ou d'une obligation par la législation, mais vraiment de mettre en avant le côté des avantages d'avoir cette maîtrise sur la chaîne de valeur, qui a un retour sur investissement aussi sur limiter les défauts, mais d'avoir aussi une chaîne holistique qui soit complètement inclusive. Et là, du coup, j'ouvre un peu la question au niveau du pouvoir public, puisque Laurent, typiquement sur Genève, l'OSEN a mis en avant il y a quelques semaines son programme aussi au niveau énergétique, etc. On a aussi au niveau des pouvoirs publics toutes ces interactions sur l'économie circulaire, l'impact sur la durabilité. Et ce qu'on discutait avec Anna encore pas plus tard que ce matin, c'était de l'exemple, du cas concret, du projet. Donc de votre point de vue, quels sont les projets aujourd'hui qui font du sens à partager avec la communauté qui nous écoute aujourd'hui et de se dire ça, c'est un exemple qui peut vraiment donner
l'envie de dire le BIM est un outil digital au service de la durabilité, au service de la chaîne de valeur et aussi qui a un retour sur investissement financier intéressant. Là, je vous laisse la parole. Qui veut la prendre et je vous laisse interagir. Un exemple tout bête qui est la détection de clash, qui est de faire voir si un tuyau ne tapait pas dans une poutre. Le fait de pouvoir faire ça d'une façon très en amont, par rapport au moment où sur le chantier, ça se termine par la mise en place d'une pompe de relevage, parce qu'on n'aura pas anticipé. Là, je pense que tout maître d'ouvrage qui a vécu ça, quand on lui dit voilà ce qu'on on peut éviter ça en utilisant cette technologie, ça permet de donner des points. Alors, si vous permettez, Laurent, par rapport à Genève, Martin. Allez-y, Martin. J'ai vécu déjà avec une grande entreprise détail en Suisse. Ils ont commencé de faire leur nouveau business d'abord en BIM. Alors, avec tous les modèles nécessaires. Et finalement, on a même fait, alors après, la réalité virtuelle. Et c'était là-bas qu'on a remarqué que le parking souterrain, il était à travers un mètre plus tard, trop bas. Alors, on avait des problèmes de mettre en marche toute l'entier centre. L'économie, vite vue, 5 millions ou plus. Alors, tout investissement, c'était déjà payé pour faire le BIM, à part de faire quelque chose comme sortie traditionnelle. Et là-dessus, je pense, après, je me tais, Pierre a bien parlé des silos, et je pense que c'est ça un des messages plus importants. Pour arriver à utiliser cet outil, il faut peut-être un peu sortir des trucs qu'on a déjà, des normes, je parle normes SIA 112, il faut prendre ensemble déjà très tôt ceux qui vont réaliser à la fin. Parce que si on prend le dernier, quand seulement exécution, il ne peut plus réfléchir au modèle entier. Et je pense que ça, c'est les grandes chances qu'il faut voir derrière. Alors, Martin, merci. Du coup, Laurent, oui, pardon, sur le côté. Ouais. Puis Anna aussi, complémentée aussi par rapport à Laurent. C'est vraiment des cas concrets sur le global de ce jumeau numérique aussi qu'on peut créer sur le territoire genevois, par exemple. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que le BIM dans l'administration, j'en ai parlé en 2011, la première fois. Je suis passé pour un extraterrestre. Excusez-moi. Et puis, je suis revenu avec ce dossier en 2017, en sachant que j'avais un appui politique. Mais au sein des offices, ça a été un petit peu compliqué. Mais à fur et à mesure qu'ils avancent, ils se rendent compte que d'avoir des données structurées, d'avoir des appels d'offres avec des chartes BIM où on commence à structurer pour construire un bâtiment ou rénover un bâtiment assez complexe comme les écoles, les hôpitaux, etc., etc., les stations d'épuration des eaux, il y a un net avantage à avoir ces informations structurées. C'est le cycle de vie de la donnée, c'est ce que vous avez parlé jusqu'à maintenant. Et surtout, c'est sur le facility management que ça devient intéressant pour l'État. Et puis, certainement aussi pour les propriétaires privés. Donc, vraiment, les exemples concrets, c'est le CMU à Genève qui est en train d'être construit, c'est le futur hôtel des archives numériques qui est dans un ancien bâtiment. Donc, c'est plutôt des exemples assez concrets sur les bâtiments. Au niveau des permis numériques, je pense que là aussi, ça permet de demander aux professionnels qui déposent un permis de construire déjà de tenir compte d'un certain nombre de contraintes qu'on n'a pas sous forme papier ou sous forme PDF, mais qu'on commence à avoir dans un contexte 3D. Donc, il peut directement se rendre compte si les contraintes qu'on trouve dans les lois sont respectées ou pas, quels sont les éléments qu'il va devoir demander en dérogation. Et puis après, pour les services qu'on appelle préaviseurs, ceux qui contrôlent les permis de construire, eh bien, vous avez un outil qui vous permet de préparer de préparer l'environnement de travail de la personne qui va contrôler le permis de construire. Il ne va pas forcément aller voir la maquette dans tous les détails, mais les outils peuvent être, designés pour que la personne qui s'occupe de sécurité, on lui mette en évidence ces objets liés à la sécurité, il obtient tout de suite l'information, si savoir si les couloirs sont assez larges, si les hauteurs de portes sont bonnes, etc., est-ce qu'il y a les extincteurs suffisants. Donc, la maquette permet après
de rapidement, avec toutes les informations qui sont dedans, de déjà de faire un premier tri et puis de laisser vraiment l'intelligence de la personne qui va vraiment mettre l'effort de la personne qui va devoir contrôler le permis sur des éléments importants où il y a beaucoup de plutôt d'appréciation sur un dossier et plus sur des éléments simplement est-ce qu'il y a le nombre d'extincteurs suffisant toutes ces 3 mètres. Donc c'est ça aussi un petit peu le gain dans l'administration notamment. Et ça marche. Merci ça, Laurence, que là, ce qu'on voit, c'est que, quand on montre des exemples. Ouais. Clairement, ça donne vraiment l'intégration sur toute la chaîne de valeur et les tenants aboutissants. Ouais. Il nous reste encore 1 minute maximum. Peut-être Anna, si vous avez encore un point complémentaire. Oui. Maintenant, on a vu des exemples sur des projets singuliers, individuels. Et c'est vraiment tout comme les autorités publiques. C'est extrêmement important pour optimiser la planification et puis compiler et enregistrer les données de manière qu'on a déjà plus coordonnée et à l'avenir de les intégrer d'une manière standardisée dans nos systèmes. C'est peut-être un avantage de la KPOP. Qui fait est une conférence de coordination et avec notre tâche de coordonner et consolider au lieu de réaliser des problèmes ou des projets singuliers. Alors là, on a une autre perspective sur les données publiques et l'augmentation de la valeur d'utilité des portefeuilles, des parcs d'immobilier public, qui est vraiment primordial. Et là, on pense avec cette application de BIM, on va poser des bases qui sont communes pour toute la branche. Ça, c'est un plus vraiment fondamental pour nous. Merci Anna. En tout cas, alors en wrap-up, parce que là on vient de terminer la première partie, le temps file et va assez vite. Mais clairement, dans cette notion, il y a vraiment un moteur politique, il y a des actions, on est en train de mettre en place des bonnes pratiques, des exemples, et du coup de montrer aussi à la communauté économique au sens large, privé, public, et ça on va en discuter dans un second temps aussi sur l'impact au niveau commercial et business. Mais en tout cas, il y a toute cette notion de moteur politique et économique qui montre l'exemple et de donner aussi, d'insuffler quel est l'impact sur la chaîne de valeur et quel est le retour aussi sur investissement d'un point de vue processus et aussi qualité, on va dire, au niveau du produit, du service et sur cette chaîne de valeur. En tout cas, on vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde et volontiers ensuite pour interagir si besoin avec encore nos amis des auditeurs. Voilà. Je vous remercie. Alors, merci aussi de notre part. Merci. Merci. Ok, donc maintenant on a terminé cette première notion sur les moteurs politiques et économiques. Nous allons accueillir nos prochains intervenants et là nous allons discuter plutôt du modèle commercial. Donc on va sortir du secteur public entre guillemets ou de ces organisations d'accompagnement aussi au niveau des entrepreneurs et d'aller dans le noyau dur de l'économie privée et comment le BIM peut être intégré en tant que produit et service ou outils technologiques complémentaires à un produit existant qui aura un impact sur la chaîne de valeur du construit et d'autres domaines aussi, aussi bien sur le niveau énergétique et outils technologiques. Donc nous allons accueillir Agnès Petit de la société Mobot, Stéphane Anzos de Oldibat Oldigaz, Jörg Meyer de Weinmine Energy et Antoine Rirol de Losinger Marazzi. Alors, en attendant que le... Voilà, parfait. Tout le monde arrive gentiment, mais sûrement.
Donc en attendant que Stéphane nous rejoigne aussi, je vais commencer sur ce sujet des modèles commerciaux entre guillemets, puisque comme on l'a entendu, finalement le BIM impacte toute la chaîne de valeur, il doit être pris d'une certaine manière, c'est un peu la manière de prendre le bout de ficelle et de tirer au fur et à mesure. Agnès, on va commencer avec vous, la société Mobot, vous faites de l'impression digitale 3D du béton. Ce qui est vraiment dans cette notion aussi de digitalisation, finalement, c'est comment amener de l'agilité, de la flexibilité dans la construction et d'utiliser finalement des outils technologiques qui ont un impact aussi sur l'économie circulaire et sur le construit, le bâti et qui a un impact aussi finalement sur la manière de concevoir et de percevoir le construit. Donc finalement, vous n'êtes pas une pure utilisatrice du BIM entre guillemets, mais le BIM est un outil totalement complémentaire et qui intègre aussi clairement cette notion d'impression 3D. Partagez-nous un petit peu votre expérience de votre vision finalement du BIM en tant qu'outil et comment Mobot, qui est le spécialiste de l'impression 3D du béton, intègre cette notion de digitalisation et finalement d'un outil qui est totalement intégré sur cette chaîne de valeur du construit. Volontiers. Du coup, pour nous, le BIM, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais le eye opener pour les maîtres d'ouvrage, parce que c'est en ayant et en parlant de BIM que les acteurs du monde de la construction, mais pas seulement les maîtres d'ouvrage, aussi les entreprises de construction, se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la digitalisation. Encore, on est focalisé surtout sur les applications d'infrastructure, donc une étape, ou bien j'ai envie de dire quelques années un peu de retard par rapport au bâtiment. Mais les points, il y a quatre points d'interaction principaux par rapport à l'Open BIM. Le premier, c'est par rapport à la planification. La possibilité de faire des ouvrages et des éléments sur mesure, complètement intégrés dans les ouvrages, ça permet de réduire le temps d'intervention des éléments, des personnes, des ressources sur le chantier. Ça permet de mieux planifier également l'utilisation de matières premières et donc de réduire l'utilisation de béton dans les ouvrages enterrés. Grâce à notre technologie, on peut également aujourd'hui intégrer des matières premières locales, même recyclées. Donc, on est dans un processus d'intégration d'économie circulaire. Et au final, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir interagir en fait avec l'ensemble des acteurs de la construction au travers d'une nouvelle chaîne de valeur qui serait un intervenant qui permet d'optimiser également la logistique, avoir moins de personnes qui font des va-et-vient avec les machines et d'avoir des éléments déjà bien conçus, bien designés, avec des matières premières locales qui sont un peu plug and play et qui permettent d'extrapoler les données du BIM, mais aussi de restituer ce qui a été construit. C'est hyper intéressant là ce que vous nous amenez du coup Agnès, parce que c'est aussi la notion du digital en fait, c'est passer d'un système totalement centralisé à décentralisé mais qui a un impact sur le développement durable, sur l'économie circulaire, sur la réutilisation de ressources contraintes, et vraiment le BIM et même le digital twin de sens large a vraiment ces impacts là. Donc du coup ce que j'entends aussi que de votre côté quand vous discutez avec des clients ou des mandataires, cette notion là elle est totalement visible, elle est totalement promue en disant d'un point de vue modèle commercial aussi, c'est vraiment un ajout supplémentaire aussi d'un point de vue attractibilité de rentrer dans cette chaîne de digitalisation. Oui, totalement. Et aujourd'hui, on voit que et c'est assez pour moi surprenant, en fait, les acteurs principaux, les moteurs du changement pour l'impression 3D, c'est les maîtres d'ouvrage en premier. C'est eux qui nous permettent d'ouvrir les portes des entreprises de construction, des entreprises totales, parce qu'ils ont des exigences, notamment sur la durabilité, sur l'utilisation des matières premières locales, et ils ont un intérêt en fait, qui est indirect par rapport à ce que l'on fournit. Et c'est grâce au maître d'ouvrage, c'est assez paradoxal, en général on a l'impression, oui, mais il faut convaincre le maître d'ouvrage. Or là, c'est les maîtres d'ouvrage qui poussent pour notre technologie, et ça permet d'aller vraiment vers ensuite les entreprises de construction, mais aussi les bureaux d'ingénieurs qui disent, ah oui, si le maître d'ouvrage est capable et est d'accord de faire de telle et telle variante et il a un intérêt, et bien ensuite, le reste de la chaîne de valeur est beaucoup plus facile à convaincre.
Ben, la Ce sera Nièce, des on ouvre un acteurs en tapis rouge jeu. pour discuter clairement avec Losinger et puis Weimann Energy. Du coup, je vais donner la parole à Jörg Meyer, donc de Weimann Energy. De ma clé de lecture, Weimann Energy, c'est vraiment un bureau d'ingénieurs conseils qui accompagne vraiment les maîtres d'ouvrage, les architectes dans la planification, dans la rénovation, l'optimisation des installations techniques. Donc, on est vraiment dans cette chaîne de valeur-là. Vous, aujourd'hui, en tant que Weimann Energy, comment vous arrivez à promouvoir en fait le BIM d'un côté commercial, d'un côté business et vraiment sur ce côté retour sur investissement, puisque dans votre conseil entre guillemets d'ingénierie, vous avez cette chaîne de valeur qui est en face de vous. Quels sont les mots-clés et quels sont typiquement quelqu'un qui hésite à dire ah le BIM, je ne sais pas trop, c'est onéreux, ça prend du temps, il faut être formé, etc. Quels sont vos arguments en disant non, le BIM est vraiment un outil au service de cette chaîne de valeur? Merci pour cette question et bonjour à tout le monde. C'est vraiment, je pense, l'importance dans cette question, c'est définir les exigences, définir qu'est-ce qu'est mon objectif, qu'est-ce que je veux réussir à faire avec mon projet. Je pense ça, on a beaucoup oublié de faire en général dans notre vie. Souvent, on achète un attel et on dit, voilà, cool, je peux faire ci, je peux faire ça, mais on ne réfléchit pas vraiment avant. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux vraiment faire avec un élément? Je pense que ça, avec le BIM, c'est vraiment redéfinir quelle est mon exigence, quel est mon objectif, quels sont les livrables à fournir. Et sur cette base, on peut après définir les cas d'usage. Alors, on peut répondre sur ces objectifs. Je pense que ça, c'est très important dans toutes ces procédures, dans tous ces éléments-là. Et sur ce niveau-là, je suis très content que ce document de KBOB est sorti parce que ça montre une fois à la public de quelle manière il faut communiquer ses besoins, ses objectifs, ses livrables qu'on veut obtenir. Je pense qu'il va encore avoir des discussions sur ces documents. Je suis aussi très réjoui de ces discussions aussi avec des entreprises générales parce qu'aujourd'hui, il est attribué principalement à eux d'avoir ces discussions. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant si les entreprises générales, ils sont ces demandes par le maître ouvrage? Qu'est-ce que ça veut dire après sur la chaîne de valeur plus bas, sur les entrées, sur les mandataires, sur les ingénieurs, les architectes? Qu'est-ce que nous, on doit fournir qui permet après aussi à nous de redonner plus loin sur les entreprises, sur les constructeurs, les besoins, qu'est-ce qu'il faut commander, qu'est-ce qu'il faut fournir de manière BIM. Je pense que sur cette manière-là, on va avancer ensemble, de communiquer nos besoins, qu'est-ce qu'on veut vraiment arriver. Et une question, quand par exemple moi je suis quelqu'un qui suis totalement agnostique entre guillemets au BIM, je connais pas la notion de BIM. Quels sont les arguments que vous mettez en avant finalement pour un potentiel client ou en tant que bureau d'ingénierie en disant voilà ça c'est ton ROI et comment et quelle est la pratique en fait le processus à mettre en place pour engager finalement ces maîtres d'ouvrage ou ces architectes dans cette notion aussi de BIM inclusive? Je pense que tous ces sujets-là, ça lie les tables qu'on a eues ce matin avec le Digital Twin, avec des autres éléments, que dans notre travail que nous on fait, qu'on nous fait pendant la planification, qu'on génère déjà beaucoup de données, beaucoup d'informations. On crée la structure du bâtiment. C'est l'ingénieur qui donne la structure des installations, quelle installation il existe, quels sont les besoins de ces installations. Et toute cette structure, toutes ces informations de base sur le fonctionnement du bâtiment, c'est un principe l'ingénieur qui fournit, qui est la base du Digital Twin. C'était tout à la fin du table de Digital Twin. C'était la discussion, est-ce qu'il faut avoir toujours le 3D? Que la réponse était non, pas forcément, qu'on a aussi avec l'IFC, on peut que transmettre les structures, l'information, les données. Je pense que cette base-là, qui a une très grande importance des ingénieurs, des mandataires, de donner cette structure, de structurer le projet au niveau digital, qui permet après, sur la chaîne de valeur, de continuer de travailler avec cette information. Excellent. Et la notion de jumeau numérique est clairement liée à la notion du BIM. Finalement, le jumeau numérique va amener pas mal de possibilités de modéliser, de prédire ou de prescrire finalement des actions et des applications. Merci beaucoup, Jörg. Antoine, rérolle du coup de Losinger Maradi, donc pas besoin de présenter Losinger Maradi comme un des leaders aussi au niveau du bâti, du construit. Mais typiquement, avec votre casquette aujourd'hui, le BIM, c'est quoi pour vous et quel impact finalement sur votre chaîne de valeur? Parce que vous intégrez clairement dans votre chaîne de valeur beaucoup d'interactions avec différents corps de métier, différenciés entre les clients, qui peuvent être des pouvoirs publics ou privés.
Pour vous, le BIM, c'est quoi? La définition pour du BIM, est-ce que c'est quelque chose qui est béni du ciel? C'est quelque chose qui prend du temps à mettre en place? Vous êtes acteur et moteur là-dedans, donc expliquez-nous un peu votre ressenti sur le BIM. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. C'est un peu tout ça à la fois, comme on a eu le plaisir de travailler et avec Mobot et très régulièrement avec Weinmann. Le BIM, c'est à la fois, je ne vais pas dire tomber du ciel, ça serait peut-être beaucoup dire, mais à tout le moins, ça prend beaucoup de temps à mettre en œuvre et à convaincre et à expliquer, à donner du sens, comme le disait M. Meyer, c'est-à-dire que les cas d'usage, on a tendance effectivement à s'en saisir comme d'un gadget. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs congrès BIM à Zurich, notamment dans les premiers, en disant il faut donner du... Enfin, on ne fait pas du BIM pour s'amuser, c'est pas le nice to have, c'est pas un gadget, c'est une vraie révolution. Et maintenant qu'on peut enfin parler de jumeaux digital, de sortir la géométrie et de passer en données IFC, enfin, il y a la géométrie, bien sûr, mais il y a également tout cet univers de données accessibles par des formats d'échange ouverts comme les IFC, que nous utilisons très fréquemment et qui nous permet que toute la chaîne de valeur puisse être associée, que chacun conserve on va dire son domaine de compétences et sa propriété intellectuelle, mais que chacun contribue à l'élaboration de ce jumeau digital, puisque dans la branche de la construction, nous sommes énormément d'acteurs, il y a énormément d'acteurs. Alors c'est vrai que Losing Amradi, en tant que contractant général, entreprise totale, est effectivement une cheville ouvrière sur les projets que nous pilotons, parce que c'est peut-être un peu plus simple pour nous de le mettre en place. Mais c'est extrêmement pratique, ça aide nos maîtres d'ouvrage à prendre des décisions beaucoup plus rapidement. C'est quand même un effet extraordinaire. On a monté des tableaux de bord que nous partageons avec nos mandataires qui permettent aussi de faire du pilotage intelligent de projet dans ces phases de développement pour l'élaboration des autorisations de construire. On va avoir des enjeux carbone, enfin de neutralité climatique qui vont énormément nous aider. Et puis, on peut associer toute notre supply chain, tous nos fournisseurs, tous nos sous-contractants. Dès lors qu'on promeut un système ouvert avec des suivis de qualité sur chantier qui sont extrêmement pratiques, extrêmement fiables, donc, et avec une expérience utilisateur profitable pour tous, avec un niveau de complexité raisonnable. Enfin voilà, une fois qu'on l'a essayé, on ne revient pas en arrière, quel que soit son niveau hiérarchique, sa qualité, son emploi chez n'importe quel employeur. Merci du coup Antoine, je vais prendre un exemple, mais c'est ce que j'entends là qui est assez intéressant, que ça vienne aussi bien d'Agnès, de Jörg ou de vous, c'est toujours cette notion entre l'impact du digital sur le développement durable. J'adore prendre cet exemple là, mais vous avez entendu aussi que Elon Musk a touché 1,5 milliard il y a quelques semaines de la part du gouvernement américain, qui ont été entre guillemets réinvestis dans 1,5 milliard de bitcoin et crypto-monnaie, et on sait l'impact et le dommage que ça aussi sur le développement durable. Et du coup le BIM est vraiment un outil qui permet de faire de l'assessment et aussi de voir quels sont les impacts sur la neutralité carbone, sur la chaîne de valeur, etc. Et est-ce que ça, pour vous, Losinger, c'est aussi un argument de vente aussi, quand il y a, entre guillemets, on s'entend, argument de vente, mais quand il y a des appels d'offres publics, de dire on a bimisé notre processus et finalement on est capable de monitorer et de maîtriser aussi l'impact sur la chaîne de valeur avec tous les entrepreneurs et les corps de métier qu'on a. Est-ce que c'est un argument finalement de quelqu'un de l'équipe de Losinger qui est plutôt sur l'interaction avec les mandataires d'amener ce point-là? Ça l'a été, ça ne l'est plus. Maintenant, tout le monde en fait du BIM. Donc, les maîtres d'ouvrage publics qui viennent gentiment, alors peut-être que M. Meyer serait plus à même de répondre que moi, puisqu'on fait, nous, plus de partenariats privés. Mais la demande aujourd'hui est existante, forte, sur ces phases d'autorisation de construire, collaboration qu'on peut faire avec différentes autorités le monde. On est encore à la recherche du bon cas d'usage sur le facility management, l'expression de besoin, la capacité à traduire en termes concrets, réalistes, et ce qu'on pourrait faire avec du BIM en phase d'exploitation des ouvrages. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a des choses à faire en termes sur la consommation d'énergie, ça c'est des choses que nous avons déjà, mais ce n'est pas tout à fait du BIM, hein. C'est du jumeau numérique avec une bonne instrumentation dans des locaux d'exploitation. Donc il y a encore
C'est clairement aujourd'hui quelque chose que l'on doit maîtriser, que chacun des acteurs de la construction doit maîtriser, doit apprendre à maîtriser pour répondre aux appels d'offres, qu'ils émanent de la main publique ou de la main privée, quel que soit le type d'appel d'offres qu'il sort. C'est clair qu'aujourd'hui, ce n'est plus un nice to have, ça va devenir mandatory, c'est quelque chose qui est hyper important d'intégrer sur la chaîne de valeur. Et Jörg, moi j'ai une question. En tant que bureau d'ingénierie conseil aussi, quelle est votre vision sur le niveau d'intégration, d'appréhension, de crainte aussi entre des structures de taille petite, des PME? Il faut rappeler quand même qu'en Suisse, 99% de l'écosystème suisse est des PME, c'est-à-dire moins de 250 employés, versus des plus gros corporates. Quelle est aujourd'hui leur vision par rapport au BIM quand on est une structure de plus petite taille? Est-ce qu'il y a une crainte au niveau de qu'est-ce que ça va engendrer d'un point de vue coût financier pour s'intégrer dans cette notion-là, sur les compétences et les ressources aussi nécessaires? Quelle est votre vision, vous, en tant qu'accompagnateur, finalement, dans ce changement-là? C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'il y a des avantages et des désavantages dans les deux directions. Je pense qu'on a comme Weimel Energy, qui est un gros bureau d'ingénieurs en Suisse romande, on a un peu le rôle de moteur aussi, de développeur sur certains sujets pour avancer la digitalisation et amener des solutions aussi avec des partenaires avec qui on travaille depuis des années. L'avantage d'une petite entreprise après, c'est qu'il peut réagir plus agile, plus flexible sur la demande. Si je regarde Weimel Energy avec les centaines de collaborateurs, il faut les accompagner à fond, il faut les motiver, il faut les aider dans ce changement. Mais pour moi, il y a vraiment un élément très important dans ce changement, dans la formation. Il faut accompagner les collaborateurs, il faut les faire croire à ce chemin, et le métier, le travail qu'on fait, ça reste la même chose. Il y a seulement certaines compétences qu'il faut acquérir en plus dans la digitalisation. C'est apprendre d'utiliser un modèle d'information, de gérer des bases de données, des informations dans des bases de données, et de vivre dans ce monde digital. Et c'est pas vraiment un changement fondamentaux, mais c'est de notre compétence qu'il faut acquérir. Chez Weimel Energy, on a parlé de BIM la première fois, j'ai trouvé ça pendant le déménagement, en 2007, que je commence à parler avec la direction sur le sujet de BIM. Et avec ça, on a pas par pas commencé à développer, à discuter, changer des petits processus, de travailler sur ce sujet-là. Je pense que c'est très important de prendre le temps, de prendre les personnes avec. Et aujourd'hui, sur le marché, il y a vraiment de bons formateurs, de bonnes personnes qui peuvent accompagner sur ce chemin-là. Après, c'est clair, la technologie, il y a des coûts, il y a des freins, mais aussi là, aujourd'hui, il y a des options dans le Open BIM de travailler différemment. Ça, c'est une très bonne question. Du coup, c'est et peut-être Agnès, de manière globale, on est en train de parler d'open innovation, d'open BIM. Vous voyez quoi comme risque ou intérêt en fait pour une entreprise d'adopter une stratégie qui soit open BIM par exemple? Je pense que la première stratégie d'adoption pour le open, c'est la gestion du patrimoine, la gestion des données à long terme. C'est le risque d'adopter un seul format ou une seule stratégie, c'est d'être trop marié par rapport à une façon de faire. Et la question, c'est, est-ce qu'on entendait ce matin par rapport à M. Schaeffer qui parlait de EVB ou les CFF, qu'est-ce qui se passe dans 50 ans, dans 70 ans? Et on construit pas forcément les bâtiments, mais en tout cas certaines infrastructures avec l'objectif de voir les exploiter dans 50 et 70 ans. Donc, le fait de l'avoir en Open BIM, ça permet, à mon avis, d'augmenter la compétitivité. De pouvoir justement avoir des nouveaux acteurs qui fournissent et qui sont beaucoup plus agiles en fait pour pouvoir répondre aux besoins changeants des acteurs du BIM. Parce que, vous l'avez déjà mentionné une fois, il y a quelques années, chaque grand acteur, on va dire, de la construction en France déployait leurs propres outils. Et en fait, tout le monde s'est aperçu que, voilà, 3-4 ans plus tard, l'environnement est différent et le fait de travailler en Open BIM, ça augmente la compétitivité, ça augmente la vitesse, l'agilité et la possibilité d'avoir des nouveaux entrants sur les marchés.
Excellent, merci Agnès. Je vous ouvrirai aussi une question à Antoine, mais vous pouvez aussi complémenter. Losinger a intégré aussi dans des recrutements à l'EPFL, hein, c'est pas nouveau, mais du coup c'est la question aussi sur la formation en fait. Vous aussi qui êtes acteur dans le privé, quelle est votre vision sur la formation des plus jeunes ou sur même des formations continues sur le BIM management en Suisse? Question qui peut faire mal, mais qui est aussi ouverte aussi globalement en disant, est-ce qu'on peut encore s'améliorer? Est-ce que les formations sont vraiment présentes? Aujourd'hui, le BIM est vraiment disruptif, mais comment est-ce qu'il est intégré dans les processus et les cursus de formation pour vos collaborateurs ou pour les jeunes qui arrivent aussi sur le marché du travail? Bonne question. La pratique, c'est que, comme le disait Jörg Meyer, on a démarré dans les mandataires, dans les entreprises à la fin des années 2000, et que les écoles sont arrivées un peu plus tard. Et donc, on a aujourd'hui sur le marché des formations qui sont de bon niveau, développées dans les HES. On a vu apparaître des modules BIM dans à l'ETHZ ou à l'EPFL. Et on a une capacité à se former, soit en formation initiale, soit en formation continue. Mais on voit apparaître aussi sur les étudiants actuels que finalement, ils ont acquis des compétences de codage. Donc maintenant, on a des ingénieurs qui savent coder en Python. Donc on a aussi dans la génération qui est en train de sortir, est en train de se former. Ça fait 10 ans qu'on bosse sur le BIM et on voit des écarts substantiels dans la génération qui arrive. Donc les écoles ont suivi et il faut que toute la profession suive, tout le monde de la construction suive. Il y a différents organismes pour se former. Il y a des prestataires, je crois qu'on aura une intervention de Management Machine après qui sont ça. Il y a Building Smart International qui a développé une offre de formation qualifiante. Donc, il y a matière à faire et à se former. Il ne faut rien lâcher. Et du coup, du côté de Mensch, voilà aussi, n'hésitez pas à complémenter. Frédéric, si je peux, moi, je trouve intéressant de voir les entrepreneurs et les entreprises qui forment les gens parce que ça permet de former sur les vrais besoins. Alors que si c'est une formation purement académique et seulement d'un point de vue académique, la vraie utilité ou l'application dans le réel, elle serait peut-être plus difficile. Et nous, c'est pareil. Donc, ce qu'on demande au final, c'est que quelqu'un ait une bonne idée de conceptualiser les processus et de savoir coder. Puis ensuite, celui qui sait coder, tout lui est ouvert. Et ça, c'est, je pense, intéressant avec justement des entreprises comme Losinger, mais il y en a plein d'autres, en fait, qui forment leur propre, on va dire, les gens par rapport où ils voient le besoin. Fixer les priorités, ça permet aussi de réduire les coûts, je pense, de formation et d'avoir vraiment des gens qui petit pas à pas, vont être formés sur ce dont on a besoin là, aujourd'hui, et pas dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais je pense exactement ça, c'est aussi la formation en Suisse. Je pense à l'école, il doit apprendre la compétence, les métiers, le travail à la main. Mais après l'utilisation, je pense que c'est aussi là qu'il y a une importance dans le bureau de faire. Mais pour aussi faire ça, je pense que c'est le processus de réfléchir de quelle manière on veut collaborer ensemble, qui peut aussi encore des discussions. Si je regarde ces dernières années, au début, on a parlé beaucoup de 3D, ça fonctionne aujourd'hui très bien. Depuis 3 ans, on parle beaucoup de données et on voit ça évolue aussi. Ils donnent des processus, que les données, ça fait des grands pas qu'on maîtrise les données de plus en plus. Depuis une année, c'est le Facility Management qui discute, que j'ai des projets, que je travaille là-dessus, que ça donne aussi des best practices, comment il faut intégrer le FM pour donner les deux mondes au début. Et je pense avec tous ces éléments-là, ça donne la possibilité aux entreprises, aux écoles de vraiment former des personnes et aussi définir quelles sont vraiment les compétences et le savoir à faire pour faire le BIM ensemble. Parce que finalement, le BIM sans la construction, le métier de base, ça reste la même chose. Pour construire un bâtiment, on a besoin toujours encore des mêmes informations, peut-être dans une autre forme,
Même principe, l'information, je dois toujours savoir à quel point le mur commence, ce qu'est l'épaisseur, quelle est la statique, est-ce qu'il doit répondre, est-ce qu'il y a encore le coupe-feu, est-ce qu'il est acoustique. Tout ce parti-là, ça reste la même chose. Alors, c'est processus, et je pense là-dedans qu'on a une chance aussi de remettre un peu l'autre dans le parti qu'on a un peu perdu dans la transformation du plage en dessin vers le CAD, qu'on n'a pas vraiment mis cette question, est-ce que c'est la technologie au processus ou est-ce que c'est le processus pour la technologie alors? Et moi, je suis clairement que ça, la technologie doit aider le processus et pas l'inverse. Jörg, vous m'avez donné aussi la bonne transition que je vais utiliser après derrière. Oui, bien sûr. Allez-y, Antoine. Juste, je pense qu'on peut en profiter pour dire pour tous les acteurs qu'il faut l'essayer sur place, c'est-à-dire qu'il y a aussi une ambiance quand on a un projet qui est digitalisé, dans l'équipe projet globale, hein, c'est-à-dire qui associe tous les acteurs, on sait intégrer parce que le mode de collaboration fait que c'est très ouvert, très transparent, et donc on peut associer plein de gens, et donc on peut aussi se former sur le tas avec des cas extrêmement pratiques et en mettre en application ce qu'on a pu apprendre dans une école si on préférait passer par un cursus plus universitaire ou plus par une école ou par le partenariat avec d'autres. Et je pense que dans une collaboration et une communication ouverte, ça permet aussi d'apprendre sur place, de gérer le risque de ce projet innovant, de partager pour que tout le monde réussisse à faire cette innovation et d'avancer ensemble sur la digitalisation. Oui, je pense que si je peux rajouter encore une chose, il faut simplement oser. Parce qu'on va faire des erreurs, hein. On va tous commettre des erreurs lors du premier projet. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va apprendre de ces erreurs et surtout pas de s'arrêter là, mais dire OK, maintenant, chacun a appris et la prochaine fois, on fait mieux et encore mieux. Puis on pousse toujours le modèle ou la solution, la logistique, de manière à chaque fois améliorer un point dans cette chaîne de valeur. Ce qui est un message assez positif, hein. C'est ceux qui font rien, qui prennent pas de risques entre guillemets et d'erreurs. Il faut tester pour implémenter. Et ça, j'aime bien aussi cette notion d'être vraiment en intelligence collective et d'avoir du partage et de se dire il y a des cas concrets, on travaille ensemble. Et c'est cette notion de mettre tous les acteurs de la chaîne de valeur, c'est-à-dire les pouvoirs publics, les acteurs privés, les régulateurs et niveau standardisation, et aussi les académiques qui peuvent amener aussi un petit peu tout ce qui se passe au niveau de l'évolution de ces processus et technologies. Le temps vient juste de terminer, du coup on est passé dans la zone rouge, donc je vous remercie chacun pour votre intervention et participation, et on va passer à la troisième partie de la table ronde. Merci Agnès, merci Jörg et merci Antoine. Merci, au revoir. Merci. Donc pour reprendre les mots de Jörg que j'ai bien aimé, la question à se poser c'est est-ce que la technologie est au service des processus ? Ou inversement, se dire que les processus sont au service de la technologie. On va rentrer dans une table ronde liée vraiment sur cette notion de technologie et processus. Donc, on va recevoir Bilal des SBB, Paul de Revizo, Stéphane de Romand d'Energie, Martino de Moenche et Machine Suisse et Olivier de Genève Aéroport. Dans cette idée-là aussi, moi, je vais rajouter ma couche personnelle aussi. Le BIM, oui. Le BIM, les données, la gestion de la chaîne de valeur. On ne parle pas de BIM sans parler aussi de toute la partie jumeau numérique. Mais clairement, aujourd'hui, dans cette notion de digitalisation, on a plein d'axes de recherche sur l'utilisation des drones, de la collecte en fait de données du bâtiment avec des enveloppes qui sont en cloud points. On fait de la classification, puis on est capable, à partir de ces jumeaux-là, de venir nourrir en fait l'information d'un bâtiment et de toutes ses interactions. Donc là aujourd'hui autour de cette troisième table ronde, on va vraiment intégrer toute la partie sur cette notion technologie et processus, et avec chacun des acteurs, on va vraiment voir quel est l'impact en fait d'un point de vue processus à mettre en place aussi pour avoir une adaptabilité entre guillemets sur la technologie, de l'intégrer au sein de l'écosystème et de la chaîne de valeur, et comment ces technologies-là aussi sont disruptives et ont un impact aussi pour vous dans votre écosystème. Donc du coup, on va commencer par Martino. Est-ce que it's okay for... Tout le monde est OK? Yes.
Donc Martino, Mène chez Machine, en résumé, spécialiste de la conception, du développement, l'intégration, la commercialisation de solutions DAO et du BIM, clairement, et pour différents aussi acteurs qui sont de l'architecture, de la construction. Pour vous aujourd'hui, dans cette notion de DAO, de BIM, quel est l'impact processus? Quand on parle de processus, est-ce que c'est la technologie qui doit lider le processus ou c'est ce que le processus qui doit amener des technologies au service de ce qu'on souhaite faire? Quel est votre point de vue là-dessus? Vous m'entendez? Oui, c'est tout bon. Yes. OK. Bonne journée à tous. Alors, pour nous, clairement, la technologie est au c'est l'inverse. C'est le processus qui détermine la manière avec quelle technologie nous allons travailler. Hein. Ça, c'est important parce que le BIM lui-même est, de ce fait, une suite de processus. D'accord? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des technologies, on peut les appeler des logiciels ou autres, que si on les met dans la bonne chaîne, on arrive à créer un processus de travail qui peut rendre service clairement à la construction du BIM. Voilà. Ça, c'est encore plus important que précédemment, hein, parce que je me rappelle, il y a 10-20 ans en arrière, on n'avait pas tout ce panel de logiciels qui pouvaient contribuer à créer un processus constructif qui était utile. Et aujourd'hui, on a plein d'outils et on parle de Open BIM. Bah, justement, c'est en mettant ensemble dans une chaîne constructive, donc un processus, qu'on peut utiliser ces outils BIM. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Frédéric. Bah, clairement, oui. Et je crois que le mojo, le leitmotiv de Mesh Machine, c'est vraiment la notion de standardiser, d'uniformiser, en fait, pour amener une scalabilité ou cette notion vraiment d'industrialisation au niveau de la construction. Ce qui est pas du tout négatif, ce qui est plutôt positif, c'est-à-dire on a besoin de processer, on a besoin d'uniformiser, de standardiser, et bien entendu avec les acteurs du secteur public, mais aussi les acteurs privés qui sont là aussi pour accompagner dans ce changement-là. Et peut-être, expliquez-nous aussi au quotidien comment chez vous, vous amenez aussi cette notion d'accompagnement, de standardisation, d'uniformisation pour pouvoir vraiment impliquer cette chaîne de valeur. Se dire, OK, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure à l'époque. Alors moi, j'ai fait 10 ans dans l'horlogerie. Je me souviens encore des planches à dessin, ensuite de la construction 3D assistée, etc. C'est comme des changements qui amènent quand même dans le processus un autre état d'esprit. Et ça, c'est la manière d'appréhender finalement chez Mensch Machines. Comment ça se passe? Alors, en partage d'expérience. Voilà, Frédéric, tu as raison. Bah, c'est clair que l'équipe de mes collègues collaborateurs de Mensch Machine, on a plus de 20-25 ans d'expérience. Donc, on a vécu beaucoup de processus et de changements. Il y a un mot qui, en Suisse romande, fait un peu peur des fois dans le domaine du bâtiment, c'est quand on parle d'industrialisation de la construction. Parce que le mot industrialisation, ça fait penser plutôt à l'industrie, à la mécanique. Et toi, Frédéric, en plus, tu m'as dit que tu as eu un background dans le domaine de l'horlogerie, de la mécanique. En mécanique, on va dire, le BIM existe depuis 10-15 ans. Hein, et puis, les processus, les process étaient déjà mis en place. Dans le bâtiment, dans la construction, c'est quelque chose qui fait un peu peur, les processus. Parce que des fois, on a l'impression que les architectes ont un peu peur de perdre leur créativité en mettant en place des processus. Mais on oublie que la créativité dans un processus constructif, on le fait au début, en amont, en avant-projet. Donc la créativité est toujours là. Et les processus, la mise en place de ces technologies se fait pendant la construction. Donc la créativité, elle est là. Et finalement, c'est je dirais, une industrie comme une autre. Hein. Donc il faut qu'en Suisse, et particulièrement, moi je connais bien le marché suisse-romand parce que j'y travaille depuis 30 ans, bah, voilà, qu'on comprenne qu'il faut savoir apprivoiser le BIM, enfin plutôt je dirais, pardon, pas apprivoiser, c'est l'approprier comme un outil qui va nous servir à être plus efficace dans nos processus. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien expliqué la... Ça montre l'état d'esprit en fait et dans quelle posture où il faut se mettre pour appréhender aussi le BIM, hein, ça c'est clair. On reviendra après sur ces questions-là. Je vais donner la parole à Paul Herret aussi de
Revisto. Revisto, bah vraiment, c'est une plateforme collaborative de collaboration intégrée. Il y a vraiment cette mise en lien entre l'architecture, l'ingénierie, la construction, tout au long finalement de ces cycles de vie de projet. Et si on ouvre un petit peu sur cette notion de technologie. En introduction, je parlais aujourd'hui d'utiliser des drones pour scanner des enveloppes de bâtiments, d'avoir des cloud points, etc. On a pas mal aussi la robotisation sur les chantiers qui rentrent, etc. Votre avis sur l'intégration finalement de cette chaîne de valeur digitale, l'impact aussi que ça a au niveau technologique, mais aussi au niveau peut-être la disparition de certaines pratiques ou de moyens collaboratifs ou de métiers. Dans cette notion, finalement, pour venir sur votre cœur de métier aussi, sur cette plateforme de collaboration intégrée, on retrouve du multi-stakeholders ou des multi-partenaires, des multi-technologies. Quelle est votre vision holistique, finalement, du BIM versus la technologie qui impacte les processus? Merci pour l'introduction, Frédéric. Et merci à tout le monde d'être ici avec nous aujourd'hui. Bon, j'ai envie de dire que Revisto, moi, ça fait... deux mois que je travaille pour Revisto. Si j'ai embrassé de travailler pour une telle agence, c'est d'une certaine manière dû à mon parcours. Je suis formé comme architecte, j'ai travaillé comme consultant il y a une dizaine d'années pour une start-up qui faisait aussi de la technologie et du consulting. Ensuite, je suis revenu avec l'architecture pour finalement venir ici en Suisse travailler chez un façadiste. Et voici maintenant, du côté du logiciel, ce petit voyage, j'ai envie de dire, dans ces différents métiers m'a permis de me rendre compte que, bon, il y a quand même une constatation qui est que de nos jours, le monde de la AEC industry est fragmenté horizontalement comme verticalement. C'est très difficile de garder les mêmes méthodologies d'un chantier à l'autre ou au sein même d'un chantier de pouvoir passer l'information de l'un à l'autre. Donc ça, c'est un petit peu mon propre constat. J'ai embrassé cette carrière avec Revisto qui, j'étais assez étonné au final de voir qui proposait un outil qui d'un côté soutient l'Open BIM, bien sûr, puisqu'on fait l'intégration de beaucoup de différents softs, comme vous parliez de drones, de nuages de points, de technologies assez avancées avec beaucoup, beaucoup d'informations, tout en supportant malgré tout le Closed BIM, hein, et tout en pouvant donc intégrer des logiciels, des fichiers natifs avec le lien entre 2D, 3D et tout ce qu'il faut. Si je parle de 2D, 3D, c'est aussi, on parlait dans la table ronde précédente d'un fameux train, il y en a qui font le TGV, d'autres le TER, je crois qu'il y en a aussi même qui n'ont pas tous les wagons. Vous avez certainement tous eu l'expérience de travailler sur des projets qui ont un BIM execution plan à la base et on se rend compte qu'au final, ce n'est pas forcément ce qu'on arrive à faire avec le chantier, puisque ce n'est pas tout à fait adapté, c'est un copier-coller d'un autre chantier. Et donc, pas tout le monde n'arrive à prendre ce train BIM. Et beaucoup travaillent en 2D. Donc, nous, pareil, on essaye de s'assurer que tout le monde peut travailler avec le même outil, la même plateforme. Et on va intégrer, donc, réunifier deux dimensions qui sont fâchées, à savoir la 2D et la 3D, à travers une troisième interface qui est une messagerie qui permet un suivi, j'ai envie de dire, une transparence. Des bugs qu'on va avoir entre l'un et l'autre. Tu parlais de disparition. Je pense que la 2D ne disparaîtrait jamais. Il y a des tâches, des choses qui encore aujourd'hui, bon, je vais prendre l'architecte qui fait son petit croquis sur sa serviette à la fin du repas en face de son client quand on prend le café. Ben, malgré tout, oui, il y a une capacité d'abstraction de la 2D qui à tout son intérêt. Donc, oui, on nous parle depuis 10-15 ans, le BIM, la maquette numérique, et moi, je vois que 15 ans après, on n'a pas tous pris le train, et je pense que c'est ça un petit peu ce qu'il faut réussir à savoir, et c'est démocratiser cet accès à l'information en faisant des interfaces simples. Nous, notre interface est faite sur Unity, qui est un moteur de jeu vidéo. Je pense que bon, les gens de ma génération ou même les gens de la génération au-dessus savent jouer aux jeux vidéo. Donc, c'est un petit peu ça ce qu'on essaye de faire. On propose aussi une application sur tablette, une tablette des personnes de 7 à 77 ans ou même de 2 à 77 ans, ça va s'en servir. Donc, c'est un petit peu toutes ces choses-là qu'on essaye de s'assurer que tout le monde puisse prendre le train, quel que soit le niveau de formation ou quel que soit les moyens qu'on va avoir à investir.
La notion que j'entends là, c'est vraiment cette notion de démocratisation finalement de ces maquettes BIM, puis c'est donner des accès avec des supports un peu plus universels, instinctifs finalement sur des tablettes ou de l'iPad. Donc c'est vraiment toucher aussi différents profils et corps de métier. C'est vrai, quand je parlais sur certains métiers, en discussion aussi avec des associations professionnelles, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même des évolutions sur les métiers liés au BIM qui sont liés clairement à l'avènement de nouvelles technologies. Je veux dire, dans le BIM, on parle du digital, mais il y a, comme on parlait tout à l'heure aussi, l'impression 3D qui change aussi pas massablement de choses. Mais des métiers comme aussi géomètre, hein, c'est des métiers où finalement, il y a cette notion d'expertise. Donc c'est vraiment sous cet angle-là aussi de non pas que la disparition du 2D pour le 3D, mais aussi de se dire, tiens, les métiers évoluent dans un certain sens. Et là, je vais donner la parole du coup à Stéphane de Roman d'Énergie, puisqu'il y a quand même différents métiers clairement aussi au sein de Roman d'Énergie. Les processus aussi sont variés, les technologies que vous abordez aussi sont diverses et variées. On parle du BIM, mais on peut parler aussi de l'énergétique au niveau du smart grid, au niveau aussi de l'utilisation de la réalité augmentée, pour voir aussi les systèmes de canalisation, les circuits souterrains, etc. Aujourd'hui, moi, la question pour Roman d'Énergie, c'est par rapport au futur aussi de ce qui va se passer, c'est comment matérialiser ou normaliser finalement dans ce processus la structuration des futures maquettes d'exploitation, de maintenance de vos réseaux, etc. Avec des besoins qui sont diversifiés, est-ce que vous avez différents acteurs publics qui sont autour aussi de Roman d'Énergie? Donc, dans cette notion finalement de normalisation, quelle est votre vision sur les processus et normalisation chez Roman d'Énergie? Bien, merci Frédéric. Chez Roman d'Énergie, nous, on touche un petit peu au BIM depuis oui, 2, 3 ans. On y a mis un pied et puis actuellement, on essaye de se développer et puis on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de technologies qui sont intéressantes et qu'il faut donc développer. Tu parlais de la réalité augmentée avec les réseaux enterrés. C'en est une que l'on développe, qui est principalement ouverte donc pour les gens du réseau pour ensuite faire des interventions ou savoir quand est-ce où est-ce qu'on peut creuser sans risquer d'endommager les installations. Mais il y a aussi toute la partie à l'intérieur des bâtiments, puisqu'on a Roman d'Énergie Service, sur laquelle on travaille beaucoup, puisque les bâtiments en eux-mêmes sont souvent construits encore aujourd'hui avec des méthodes traditionnelles. Et lorsqu'on peut intégrer non seulement la 3D pour voir où vont passer les installations techniques, chauffage, ventilation, ou quand on doit faire de la rénovation, puisqu'on est aussi dans ce modèle énergétique, d'essayer de rendre les bâtiments moins énergivores, là on fait appel à des technologies comme le scanner 3D pour se représenter, puis avoir un modèle réel de l'installation du bâtiment sur lequel on doit travailler, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les modèles papier, les plans papier de l'époque sont souvent très difficiles à trouver ou pas du tout conformes aux bâtiments sur lesquels on doit travailler aujourd'hui parce que personne ne les a mis à jour. Et ça, c'est un gros problème pour ensuite réaliser nos futures installations. Et d'ailleurs, si je ferais une question qui est très personnelle, mais si j'étais une petite souris en fait chez Roman d'Énergie, comment ça se passe sur cette notion de démarche inclusive sur ces technologies, sur ces processus au niveau aussi de vos collaborateurs, en lien aussi dans votre chaîne de valeur avec vos partenaires, mandataires et fournisseurs? Quel est le processus en fait d'intégration sur cette évolution du BIM et ces technologies connexes qui sont totalement complémentaires, comme on parlait de la réalité augmentée ou d'autres phénomènes? L'intégration du BIM, comme dans toutes les entreprises, est un problème, je dirais, plus social que technologique aujourd'hui. Parler à des gens de nouvelle génération qu'il faut s'intégrer au BIM, au monde du numérique, ça se fait relativement bien. Et puis surtout, lorsqu'on a justement des nouveaux ingénieurs ou des nouvelles personnes qui ont suivi un cursus qui leur a montré, qui leur a appris cette nouvelle technologie. Mais
par rapport à des gens plus d'un niveau social ou d'un niveau plus médiocre qui font des CFC ou des formations d'apprentis. Déjà, eux, on ne leur a pas montré ce que c'était que le BIM et puis les technologies modernes du numérique. Et puis, pour les gens encore plus âgés, ben, la remise en question est toujours un gros frein, un problème. Est-ce que cette nouvelle technologie ne va pas finalement me remplacer, ne va pas me pousser un petit peu vers le placard? Est-ce que j'ai encore ma place ici et qu'est-ce que je dois encore réapprendre, nouveaux logiciels, nouvelles méthodes? Et ça, c'est vraiment un problème, mais je ne pense pas qu'il est lié principalement à Romande Énergie, c'est un problème de société. Et moi, globalement, oui, c'est des enjeux clairement sur l'accompagnement de ces changements de métier. C'est clair que, comme vous dites, c'est pas que Romande Énergie, c'est global. On peut en discuter avec les CFF, on peut parler avec des petites structures. Il y a cet accompagnement aussi de comment le digital et les technologies impactent d'une les processus, mais aussi l'employabilité, les collaborateurs dans leur quotidien. C'est toutes ces notions d'ailleurs de relations homme-machine et comment appréhender tout ça. Exactement, Stéphane. Voilà. On reviendra après sur d'autres questions. Moi, j'ai une question du coup pour aussi maintenant Bilal Maoubi des CFF ou SBB si on veut du côté suisse allemand. Moi, une première question, quand on voit les CFF, comme on a aussi un public qui est assez large aussi aujourd'hui, les CFF, on vous connaît comme transporteur, mais finalement, quand on parle d'infrastructure chez vous, ce n'est pas qu'une infrastructure ferroviaire, c'est des bâtiments, c'est des infrastructures diverses et variées. Aujourd'hui, dans la technologie BIM, comment au CFF vous utilisez cette technologie-là au quotidien? Un vrai partage d'expérience aussi de vous, de ces modélisations de différents systèmes aussi. Ouais, c'est juste. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Donc au CFF, on a essayé de mettre en place une systématique assez simple pour apprivoiser la technologie. Et cette systématique-là se base sur des cas d'usage, mais qui ne viennent pas de la technologie, mais qui viennent du business. C'est-à-dire qu'on regarde les corps de métier, pourquoi ils utilisent tel processus, pourquoi ils ont besoin de telle information, etc. Et après, comme dernier point de la chaîne de valeur, on essaie de voir quelle technologie sied au mieux aux besoins de ce métier-là. Donc, en fait, le plus dur dans la technologie ou la manière non intuitive de l'implémenter est en fait de l'ignorer et de regarder la technologie à la fin de la chaîne parce que la technologie doit répondre à un besoin vraiment clair. Et à un niveau plus organisationnel, c'est-à-dire il y a une grosse différence entre implémenter une technologie au sein d'un projet et implémenter plusieurs technologies au sein d'une organisation aussi grande que les CFF. Donc là, il y a vraiment ce qu'on appelle deux streams qu'il faut prendre en compte. Donc, on a la partie qui vient bottom-up, qui est la partie des projets, mais aussi une partie top-down qui est extrêmement importante, qui vient de la direction. Donc, de ces deux côtés-là, on a aussi trouvé des solutions, c'est-à-dire la direction CFF appuie la mise en place de cette méthodologie BIM de manière très forte, c'est-à-dire qu'on a des objectifs bien clairs à partir de cette année. Nos projets immobiliers seront faits en BIM, c'est-à-dire tous les projets au-delà de 5 millions seront faits en BIM. Et au niveau de l'infrastructure, on a un objectif clair qui est de 2025 pour la mise en place du BIM. Et au niveau des projets, donc la partie bottom-up, depuis 2017, on a lancé 35 projets pilotes, dont une vingtaine sont encore en cours. Et tout ceci nous permet en fait, au final, et dans quelques mois, voire quelques années, de trouver les bonnes solutions aux bons problèmes, parce qu'au final, c'est le but de la technologie, c'est de résoudre les problèmes et non pas d'essayer de la mettre entre deux problèmes pour faire joli et puis montrer des maquettes numériques. Donc du coup, ce que j'entends là, c'est ultra intéressant, c'est vraiment cette notion de faire du testing, de faire du proof of concept, des études de faisabilité pour arriver à avoir cet effet entonnoir et se dire, voilà, c'est telle technologie, tel processus qui va répondre à cette problématique qu'on a chez nous. Et quand on parle, l'idée, c'est pas du tout de révéler des secrets, mais quand on parle de problématique, il y a aussi toute cette notion de maintenance, en fait, de maintenance prédictive aussi des infrastructures. Et ces sujets-là, aujourd'hui, comment le BIM peut vous aider dans cette prédictibilité de maintenance, en fait, d'infrastructures et réseaux? Qu'on peut parler aussi avec Romande Énergie sur un réseau énergétique ou avec d'autres typologies aujourd'hui pour les CFF sur cette notion de maintenance prédictive ou
prescriptif, hein, peut-être aussi. Oui, alors, si je peux vous rassurer, les CFF font de la maintenance préventive depuis bien longtemps, parce que sinon, nos prix de billets seraient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grands. Donc, nous, ce que là où le BIM va nous aider, c'est, derrière, Martine. Là où le BIM va nous aider, c'est plutôt dans la structure de la donnée, c'est-à-dire qu'on puisse réutiliser à l'infini cette donnée-là pour des besoins autres que pour le besoin de base. Donc, la réutilisation de cette donnée est quelque chose de très important. Mais aussi, là où il ne faut pas sous-estimer en fait, la modélisation 3D, c'est que cette modélisation-là aide à une meilleure compréhension de la situation au moment T0. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'on appelle, dans le jargon un peu, la user experience qui va être meilleure, parce que le modèle, c'est toujours plus facile à apprivoiser qu'un plan 2D. Mais c'est surtout dans la structure de données et dans la réutilisation de la donnée où le BIM va nous aider. Parce qu'au CFF, nous avons déjà mis en place depuis quelques années des bases de données solides qui nous renseignent sur l'état de l'infrastructure. Maintenant, et là où on est un peu déçu de la maturité de la technologie aujourd'hui, c'est que même si en utilisant les maquettes numériques, on ne réussit pas encore à avoir l'information en temps réel. Et je pense que cette information-là ou cette technologie-là qui viendra peut-être dans une petite dizaine d'années pour le rail sera vraiment une révolution pour nous. Mais pour cela, il faut une base solide du BIM et il faut savoir modéliser et produire l'information dont on a besoin. De nouveau, on revient, ça serait une question que j'ouvrirai à tous après, mais c'est vraiment la notion des données, du tri des données, l'information aussi qui va véhiculer via le BIM. Mais ce que j'entends là, c'est que le message aussi des CFF, c'est donner une robustesse à une structuration finalement BIM, de bien comprendre les enjeux et de pouvoir monter finalement l'édifice aussi au cours des années. On va venir sur Olivier du coup de Genève Aéroport. Ensuite, je vais ouvrir plusieurs questions hein, qui viennent d'un fois dans le chat et dans ma tête entre guillemets. Mais Genève Aéroport, c'est une mini-ville, on est d'accord, Olivier. Elle a pas mal de réseaux énergétiques, de flux, de mobilité en interne, d'infrastructures, etc. Pour Genève Aéroport, c'est quoi l'enjeu du BIM ou l'intérêt du BIM ou le retour sur investissement qui peut déclencher, entre guillemets, un market adoption pour des gens qui sont un peu plus réticents sur l'intégration de cette technologie? Alors, je crois que ce qui a été dit... Il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont très intéressantes hein, tout le long. Et il est clair que l'aéroport est une ville dans la ville. D'ailleurs, si on regarde même au niveau du cadastre, pendant très longtemps, on avait une frontière qui était délimitée et tout ce qui se passait en dehors de cette frontière était géré par le canton. Puis tout ce qui était à l'intérieur de cette frontière-là était géré par l'aéroport. On a une multitude de services, on a une multitude de métiers. On touche à peu près quasiment tout. On a d'historiser, si on veut, aussi, ou d'archiver les informations qu'on a. Donc, chaque service a une certaine autonomie qui lui permet de pouvoir effectivement prévoir ses plages de maintenance, ses réalisations, ses projets de rénovation. Et l'intérêt du BIM, c'est de pouvoir collecter sur une seule et même maquette les éléments permettant de pouvoir être vus par tout le monde et puis d'anticiper, si on veut bien, la gestion de cet équipement sans que ça soit que sa propre partie, donc que ça soit service électrique, service mécanique, service sanitaire, tout le monde a une interaction en jouant tous sur le même modèle. Et c'est vrai que l'intérêt qu'on a aujourd'hui de passer dans le monde du BIM, c'est de se dire, on a une seule et même maquette, tout le monde travaille sur cette maquette, on arrive à pouvoir faire des projets de développement, de maintenance et d'exploitation. Et toujours en ayant le même élément. On a, en plus en cette période là maintenant de pandémie, on est quasiment, je ne vais pas dire arrêté, mais pas loin. Maintenant, je crois qu'on tourne à 6 ou 7% au niveau de l'exploitation aéroportuaire. Donc, on essaye de profiter du travail qu'on avait fait l'année passée pour pouvoir produire une maquette de base permettant de pouvoir lancer et initier ce besoin. Tout le monde est très, très conscient comme quoi que le fait d'avoir un seul et même objet permettra de pouvoir avancer et puis d'avoir une belle vision globale de ce qu'on va développer. Par contre, il n'y a personne qui veut vraiment se lancer à le faire. Donc, on a créé l'année passée, on a fait un relevé, un nuage de points et on a modélisé notre aérogare
On a fait une surface, on n'a pas fait toute la surface de la plateforme aéroportuaire, mais on a fait depuis les satellites, jusqu'à l'autoroute et de la tour de contrôle jusqu'à la gare CFS, ce qui permettrait de pouvoir voir, nous, le développement qu'on devrait prévoir dans le cadre d'un développement de notre aérogare, ne serait-ce que déjà par rapport à une aérogare qui se veut vieillissante quand même. L'aérogare principale, elle date de 68, donc là, on a quand même pas mal de soucis. Le problème qu'on a avec ce genre d'intervention, c'est qu'il faut regrouper tout le monde autour de la même table. Et comme vous l'avez dit avant, on a une multitude de métiers. Et tous ces métiers-là ne travaillent pas forcément de la même manière. Donc après, de les retrouver tous en disant, bon, qu'est-ce qu'on peut faire si on y met une maquette générique commune? Comment ils vont s'y retrouver? Donc le problème qui est en cours, qu'on est en train de faire maintenant, c'est d'aller voir chaque métier, de dire par rapport à ton besoin, quels sont les éléments que tu as besoin d'avoir et quels sont les paramètres que tu veux voir dans cette maquette. Parce que c'est ça qui va te gérer par la suite, justement, une adaptation de ta maintenance, qui pourra être au travers des IFC, c'est la volonté qu'on a au niveau de l'aéroport, la volonté et l'obligation. On ne peut pas imposer un logiciel pour travailler, donc on ne peut pas imposer un Revit. Donc on est parti sur le principe de dire qu'on a un Revit avec des éléments et des paramètres. Ces paramètres, au travers des IFC, peuvent être récupérés dans un système d'information géographique. Et par ce système d'information géographique, on peut justement prévoir des programmes de maintenance au travers de la GMAO, de refaire un peu nos valeurs de patrimoine au travers de nos assets, ou de prévoir les gammes de maintenance au travers du FM. Du coup, Olivier, une question, c'est, on parle d'IFC, mais qui peut définir ou être l'arbitre, en fait, la base du modèle BIM, selon l'IFC? Nous, on est parti en prenant, parce que c'est vrai que le BIM, d'une certaine manière, de notre côté, nous, à l'aéroport, on travaille depuis une quinzaine d'années, mais en étant sur du 2D5. Donc, en somme, on avait un dessin AutoCAD intelligent, sur lequel on lui ajoutait des attributs. Et puis, on essayait de pouvoir regrouper le tout. Donc on est toujours parti sur la codification par rapport au CRB. Et puis maintenant, on se cale sur les ECCC, que ce soit BAT ou génie civil. Et puis, on est en train de regarder maintenant avec CRB, c'est de voir de quelle mesure on pourrait, avec l'aéroport de Zurich et de Bâle, produire une codification ECCC aéroport. Enfin, ça répond à la question. Oui, en partie, oui, c'est très bien. Et du coup, j'ai une question plus globale pour tous, ce qui nous reste un peu plus de 5 minutes. Mais là, on parle de l'Open BIM. On a quand même autour de la table, on a des entreprises ou des sociétés publiques, semi-publiques, semi-privées, etc. Quelle est la notion d'Open BIM chez vous, en fait? Est-ce que vous voyez un risque, une opportunité? Est-ce que de l'Open Science, l'Open Innovation, c'est quelque chose qui est mal perçu ou qui est plutôt bien perçu? Parce que c'est aussi un des sujets de la table ronde, c'est l'open BIM versus peut-être le close BIM. Là, la porte est ouverte à tout ça. Au nom des CFF, pour les CFF, l'open data est vraiment une culture qui s'installe gentiment chez nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les CFF, tu l'as déjà dit Frédéric au début, on a un nombre important d'interfaces et d'interlocuteurs, de métiers qui veulent travailler ensemble. Et on ne peut pas interdire à ces gens-là d'utiliser leur logiciel préféré et celui qui répond au mieux à leurs besoins. Et la seule solution qu'il y a pour cela, c'est l'utilisation de Open Data. Donc, nous, on a au CFF, on a massivement investi dans l'IFC, vu qu'on était co-lanceur du projet IFC Rail, qui va bientôt devenir un standard au niveau international. Mais aussi, on ne ferme pas les yeux sur d'autres formats d'échange qui pourraient aider à faciliter l'échange d'informations, que ce soit l'information géométrique, mais aussi et surtout l'information alphanumérique. Donc pour nous, l'IFC ou l'open data n'est plus une question, c'est vraiment comment utiliser ça au mieux. Aéroport si de Genève, du coup, Olivier, grosse question, parce que… Ah pardon, oui, je t'en prie, Martin. Oui, je disais, il est clair que la confrontation close BIM, open BIM, il ne faut même pas l'appeler confrontation, je dirais la comparaison. Il y a quelques années, elle avait lieu d'être parce qu'on ne savait pas où on était. Puis avec le travail qu'on vient de faire régulièrement depuis 4-5 ans
tous en collaboration ensemble, on s'aperçoit que finalement, on peut tous travailler en Open BIM. Alors finalement, comme Bâtir Digital Suisse a créé maintenant un nom qui s'appelle la méthode BIM, qui inclut finalement les deux, hein, la méthode BIM, bah, on va travailler comme ça et on devrait tous travailler dans cette méthode BIM qui inclut le close et l'open BIM. Hein. Donc, je crois que dans quelques années, on ne parlera plus de open BIM, mais on parlera de méthode BIM. Hein. Ça, c'est mon point de vue. Et tu sais très bien, Frédéric, que bon, Mention Machine, on est représentant d'une marque bien précise, mais pour ça, on est assez ouvert d'esprit. Hein. Voilà, c'est l'IFC va donner bien sûr une certaine hiérarchie et permettre de faire des échanges de modèles dans un esprit ouvert. Hein. Excuse-moi, Olivier, je crois que tu voulais répondre. Je te laisse la parole. Merci, on a tous envie de répondre, mais c'est sûr que l'Open BIM, c'est quand même l'ouverture. Donc, comme on l'a dit, comme j'ai dit avant, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'imposer au niveau étant un établissement semi-étatique, on ne peut pas imposer l'utilisation de tel ou tel logiciel. Donc, on est obligé d'être Open BIM de l'autre côté. Après, nous, on a pris l'option de se dire, ben, on est Open BIM en passant à travers les GIS. Donc, en somme, tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment d'avoir une gestion de notre patrimoine par les systèmes d'information géographique qui se veut quand même, effectivement, au travers des IFC, être plus ou moins quand même malgré tout de l'open BIM. Le close BIM, c'est plutôt nous, on l'a ou on l'exploite ou on tourne avec parce qu'on a des logiciels ou des applications qui sont spécifiques métiers par, ne serait-ce que déjà par la GMAO, par notre mise en place de structures de projet. Que ça soit pour tout ce qui est le facility management ou la reprise des informations dans notre système d'assets. Donc ISO 55000 nous oblige aussi de devoir renseigner et par l'Open BIM, ben, on peut avoir ces informations et puis après, ben, en le traduisant à travers des IFC, on arrive à pouvoir travailler avec un système d'information géographique. Paul, Stéphane, j'ai aussi une question pour vous, à moins que vous voulez répondre à ce point-là. Non, bah, je voulais juste compléter que bah, chez Romand Énergie, avec notre réseau justement de distribution du courant bah, qui est dans le domaine public, on a passablement les mêmes problèmes ou les mêmes évolutions que bah, l'aéroport de Genève. Donc, la plupart de nos fichiers et de nos données sont bah, en Open BIM ou dans des formats qu'on peut considérer comme ouvert pour que ben, les gens puissent l'utiliser, puis surtout qu'elle soit exploitable aujourd'hui, mais dans 20 ans, dans 30 ans, ce que ben, si on se lie avec un logiciel, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. C'est clairement d'ailleurs un point qui est hyper intéressant hein, sur la notion de traçabilité et de suivi aussi dans les 50 prochaines années. Paul, pardon. Je t'en prie. Oui, non, pas de souci. Tout à fait, pareil, je rebondis un peu sur ces questions de Open et Close BIM, mais j'aurais envie d'aller peut-être au-delà et de dire qui et comment on peut avoir accès à cette information, quelle que soit la manière dont au final on la reçoit. Ce qui nous revient toujours à cette question du métier, et le métier, quel est le métier qu'on fait, qui a été plusieurs fois débattu durant cette journée. Et on a parlé de monsieur des CFF, parlait tout à l'heure de la méthode top-down et bottom-up qui est nécessaire, c'est un processus itératif. Quand je voyais aussi écrit ou des personnes qui disaient est-ce que c'est la technologie qui est au service du processus ou l'inverse, ben, pour moi c'est encore une fois les deux. Et c'est pour ça que chez Revista, on est tous où il va y avoir des architectes, des gens de la construction, des gens du logiciel. On a tous différentes casquettes qui permettent de voir chacun de son propre métier de base comment réussir à faire une interface. On essaye de faire en tout cas une solution qui permette un peu à tout le monde de s'y retrouver. Et surtout aussi, on va développer pour certains clients privilégiés certaines des passerelles en fait en direct qui leur permettent de directement intégrer avec leur logiciel métier toutes leurs données ou la donnée dont ils ont besoin. Parce qu'encore une fois, le problème, c'est d'avoir tellement de données qu'on a, pas tous les acteurs d'un projet veulent avoir accès à toutes ces données. Donc, ce qu'il faut, c'est pour réussir à pré-mâcher ou pré-digérer cette donnée suivant l'utilisateur, suivant le métier qu'on va faire. C'est un petit peu ça, un peu l'équation là, plus compliquée.
D'ailleurs, Paul, tu viens d'ouvrir une porte assez intéressante parce que on a différents acteurs autour du BIM aussi, hein, qui interagissent par rapport aux maîtres d'œuvre, et puis les maîtres d'ouvrage entre guillemets, et puis les partenaires à différents niveaux. Et là, tu parles de données en fait. Et c'est quoi pour vous est-ce qu'il y a clairement une difficulté au niveau du tri par rapport à ces données d'information en fait qui viennent de différents acteurs sur tout le cycle de vie finalement d'un projet, etc. Est-ce que ça, d'un point de vue processus aussi, c'est assez compliqué? Parce que globalement, on parle d'ailleurs, quand on est dans, là je parle de data science ou vraiment cette notion de science des données, on parle de data retrieval, data management, donc collecter des données, mais ensuite de passer sur du data driven et d'arriver à mettre des modèles prédictifs ou prescriptifs, le pas est pas si simple que ça. Et là, Paul, tu as quand même ouvert une porte en parlant de données, en parlant de multi-acteurs autour, etc. Est-ce qu'il y a une difficulté de faire du tri finalement dans ces données et d'être efficient? Et là, la question ouverte à tous. Alors, j'ai envie de dire ce qu'on dit chez nous en interne, il ne faudrait pas le répéter, mais bon, maintenant j'ai commencé à lire. On a tendance à dire garbage in, garbage out. Ça veut dire que Revisto n'est pas un logiciel de modélisation, ça veut dire qu'on fait l'intégration des données. C'est-à-dire que si on n'a pas de données à la base, on ne peut pas l'inventer. En fait. On va pouvoir traiter l'information, la processer, puis la repackager, j'ai envie de dire. Mais bien sûr, l'important dans ces procédés de maquette numérique, c'est que les différents acteurs se mettent d'accord sur la donnée qu'ils veulent avoir, qu'est-ce qu'ils reçoivent, qu'est-ce qu'ils donnent au prochain, et surtout la structure de cette donnée. Hein. C'est ce que disait Jörg tout à l'heure de Weinmann. Énergie, et c'est pour ça qu'on essaye de se mettre d'accord sur des normes, etc., etc., etc. Mais Paul, maintenant, oui. Paul, excuse-moi, Frédéric, mais la donnée, quand on parle de la donnée, elle est alphanumérique. Et c'est vrai que c'est plus facile à gérer quelque chose qui est alphanumérique que quelque chose qui est graphique. Donc, je pense que le problème est moins lourd que si on doit gérer un élément graphique avec la donnée. Parce qu'on peut toujours attaquer une base de données universelle. Alors qu'avec le graphique, là, on est tributaire de comment un bâtiment a été construit par l'éditeur principal. Donc, je pense que c'est plus simple, alphanumériquement parlant, de gérer la donnée par la suite. Ça, on n'aura pas trop de soucis. Sauf au niveau des droits, justement, et des problèmes juridiques. Ah, d'accord, oui, ça c'est un autre... Ouais. Exactement, dans des notions d'RGPD, etc., il y a quand même pas mal de choses aussi qui doivent être bien cadrées. Ce qui est un gros problème, justement, au niveau des droits d'auteur et des informations qu'on rentre dans cette base de données, même Revit ou du BIM, c'est jusqu'à quel point j'en suis propriétaire et jusqu'à quel point je suis en mesure de la divulguer à X ou Y. Et qui est responsable, Stéphane? Et qui est responsable si elle est modifiée? Ouais, c'est clair, ça c'est clair. Alors du coup, je vais malheureusement devoir vous interrompre. Ouais. Alors oui, du coup, ces enjeux de données sont importants. Là aussi, la cybersécurité, la donnée qui transite, qui est propriétaire, comment on l'utilise. Malheureusement, le temps qui nous a été imparti est écoulé. Donc, je tiens à remercier les 13 speakers qui ont intervenu aujourd'hui autour de cette notion d'Open BIM et de collaboration. Le message pour moi est très positif. On a vu des acteurs privés, publics, d'accompagnement. Le BIM ne doit pas faire peur. On doit tester, acter, implémenter. Le retour sur investissement peut être intuitif, peut prendre peut-être plus de temps, mais en tout cas, travaillons ensemble autour du BIM, allons dans cette direction du digital et ce digital aussi au service de la durabilité, au service de l'économie et de l'écosystème au sens large. Donc, je vous remercie tous et au plaisir de pouvoir encore échanger avec vous très prochainement. Plaisir. Merci. Très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.